Et bonsoir tout le monde et bienvenue. On est en direct pour de la Moto 3 ce soir. On arrive bientôt au terme de la saison du Grand Prix des Mobilettes. J'étais en train de regarder un peu les casques qui étaient dispo sur le online. Du coup, mon cher Valentin, bonsoir. Salut Angel, salut à vous tous. Alors, on regarde après où tu en es. Donc, comme tu l'as dit, on est à Motegi. Donc, si je mets, c'est le, là... si je mets le jeu en image, ça peut être mieux. Voilà. Voilà. Alors, donc, c'est la 17e manche du championnat du monde Moto 3. Après cette course à Motegi, nous reste 3 courses à jouer. Phillip Island, la Malaisie et Valence, qui sera le dernier Grand Prix. On va tout d'abord regarder le classement de la Moto 3, Angel. On va donc se rendre compte que tu es toujours leader avec 249 points. Et vous surveillez bien, tous ceux qui ont moins de 75 points de retard sur Angel peuvent être champions. Ça veut dire que Alonso Lopez, qui est 7e et qui a 76 points de retard, peut. Alors, pardon, 100 points, puisqu'il faut compter les 25 points de ce Grand Prix. Donc, tous ceux qui sont à moins de 100 points peuvent encore être champions. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a que 7 pilotes qui peuvent encore être champions, n'est-ce pas, Angel? Ben, tout à fait. Il est possible que vous entendiez un peu le tonnerre hein, derrière moi, c'est normal. On essuie un gros épisode orageux depuis à peu près 18 heures. Tout va bien, ça se gère, hein, mais vous pouvez entendre éventuellement du tonnerre. C'est ça. Donc, vous voyez donc que le classement vous l'a montré très vite, donc jusqu'à Alonso Lopez, on peut encore être champion. Mais je pense qu'on va éliminer encore quelques pilotes de la course au titre, Angel. Voilà. Après, on va pas revenir, parce que vous avez peut-être vu la rediff, là, il y a quelques instants, magnifiquement bien managée par notre ami Valentin. On avait lancé Angel. La dernière amélioration sur la moto, mais qui arrivera après la fin de la saison. Donc, en fait, a priori, on s'en fout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on l'aurait lancé tout de suite, Angel, avant de passer à Motegi. On l'aurait eu pour Valence. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a lancé une semaine trop tard. Donc finalement, ça va tomber juste après Valence. Pour voilà, ce qui est des contrats en Moto 2. Alors, les propositions reçues pour l'instant, c'est la Petronas Penta Racing. C'est la seule écurie qui nous a proposé un contrat en Moto 2. La Aspartim Gaviota, c'est notre écurie actuelle, donc effectivement, eux, ils veulent nous garder, mais nous, on n'a pas envie de rester. Donc, c'est pas la peine. C'est ça. On va essayer de On va surtout essayer sur ce Grand Prix-là à faire en sorte de continuer à accroître notre réputation pour pouvoir avoir d'autres écuries qui nous proposent des contrats, parce que la Petronas Penta Racing, c'est clairement l'écurie que j'ai envie de rejoindre, mais il y a d'autres écuries qui n'ont pas proposé de contrat et qui sont pas du tout intéressées, qui peuvent éventuellement m'intéresser, donc notamment la Red Bull KTM IO. Moi, Angel, c'est pas que je veux pas que t'ailles chez la Red Bull KTM IO, et je salue donc Linkin Atlantis, Jokerman et Luke Go qui sont là, mais c'est le problème, c'est que tous les streamers, que ce soit le fameux Ken Pich, que ce soit Soap, que ce soit Muchachos par exemple, ils sont tous allés chez la KTM IO en Moto 2. Ouais, donc je pense que non mais après, Angel, si tu veux aller chez la KTM IO, moi pas du tout, je veux pas spécialement. Non mais tu sais que tu fais comme tu veux hein. D'accord. Il y a la Team VR46 qui m'intéresse aussi. Il y a la Estrella Galizia aussi. Ouais, la marque VDS, la Estrella Galizia. Alors, sachant après, c'est que vrai que j'ai pensé à la Red Bull KTM IO parce que je regardais du Red Bull juste avant au niveau des casques, mais c'est vrai que la Sprinter d'accord. Racing, bon, c'est mon premier choix. Mais après, si je peux avoir chez la. La Estrella Galizia VDS, et puis la Sky Racing. La Estrella Galizia, ça serait sympa.
Ça serait sympathique. C'est pour ça que, alors, Angel, de toute manière, il y a plusieurs tactiques. C'est soit on assure un contrat en Moto 2 en signant tout de suite chez la Petronas. Oui, mais on a un peu de temps, donc... C'est ça. On peut attendre... Enfin, 5 semaines, ça va être court. Hein. Faut vraiment que, au Grand Prix de Valence, on prenne notre décision. Même avant de jouer course à Valence, faut qu'on prenne notre décision. Donc, Twin Ring de Motegi, avec Angel, prend les essais libres 3, simplement. Tu vas caler tous tes programmes sur les essais libres 3. Ouais, parce que là, les deux séances, là, clairement... Elles sous la flotte. J'ai pas tellement envie d'aller faire de la pêche au canard, quoi. Bon. Angel, c'est quoi cette arnaque? Mais je sais pas, hein, mais donc, ça fait peur à la peur. Hein. Donc, Motegi, circuit du Japon, donc, Angel, 17e épreuve de la saison. Deuxième épreuve de la tournée pacifique, donc après... après donc Chang en Thaïlande, que vous soit vous avez revu avant, soit que vous venez de revoir en rediffusion. Sachez d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question de pourquoi on fait des rediffusions, c'est-à-dire que maintenant, pour vous expliquer, on a décidé d'exploiter une fonctionnalité de Twitch qui nous permet de lancer une rediffusion à n'importe quel moment de la journée. Et en fait, avec Angel, on a réfléchi et on s'est dit, bah, on pourrait faire vivre en fait nos lives après la fin. Après quand on vous dit au revoir. Et en même temps, vous, ça vous permet de pouvoir vous remettre dans le bain, d'accord ? Ça vous permet de vous remettre dans le bain de ce qui s'est passé au live précédent, parce que souvent, il y a une semaine qui est passée, vous avez vu d'autres lives entre-temps. Ça vous permet, si vous n'avez pas vu la rediff du live précédent, et ben de pouvoir enchaîner la rediff du live précédent, puis le live derrière. Donc, entre guillemets, c'est surtout pour vous, c'est tout bénef pour vous, en réalité. Alors Angel, Motegi, oui. C'est un circuit, tu vas voir, qui est assez technique, avec beaucoup des épingles, mais également, tu sais, des virages comme un peu à Suzuka. 130 ouais, terres, c'est même c'était un peu le sentiment que j'avais là, en parcourant la piste, là, sur les premiers hectomètres de piste. J'avais l'impression de partir à Suzuka. Angel, tu viens de passer en dessous d'un pont, Angel. T'as vu qu'il y avait un pont là où t'es passé? Ouais. Ben, au-dessus du pont, en fait, il faut savoir que Motegi, au-dessus de ce circuit moto à Motegi, il y a un ovale. Non, un ovale. Un ovale de vitesse. Je te jure que c'est vrai. Voilà. Donc, GP du Japon, qui est au calendrier depuis 1962 et qui se déroule à Motegi depuis 2004. Il faut savoir que le Grand Prix de Suzuka qu'on connaît en F1 a servi de Grand Prix moto pendant de nombreuses années avant d'arriver à Motegi. Voilà. Et c'est un circuit qui fait 4,8 km et que tu auras à parcourir, Angel, en moto 3 20 fois sur un Grand Prix en 100%, donc 10 fois pour toi. Tu auras 10 tours de ce circuit de 4,8 km à faire. Voilà. Ok. Et donc, je rappelle que tous ceux, Angel, qui ce soir seront à plus de 75 points de... Tous ceux qui seront à plus de 75 points de toi, puisque tu es le leader du classement et tu risques de le rester à la fin de ce Grand Prix, quel que soit le résultat que tu vas faire, entre premier et puis 31e, eh bien... tous ceux qui seront à plus de 75 points d'écart ne pourront plus être mathématiquement champions. Donc on va peut-être éliminer encore 3 ou 4 adversaires à la course au titre. L'objectif, Angel, ce serait de pouvoir assurer ce titre au soir du Grand Prix de Malaisie. C'est-à-dire à l'avant-dernier Grand Prix. Comme ça, tu roulerais à Ricardo Tormo à Valence sans pression, en réalité. En mode touriste. Ouais, c'est presque ça. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'à la fin de la tournée pacifique, donc outre-mer, qu'on puisse pouvoir se dire qu'on est titré. Salut Vettel Spin qui dit salut Ange, elle, je sais pas si t'as compris la blague. Si, ah si, oui, si. Ange, elle, là. Oui, non, très très bien. Et bonsoir à tous qui est arrivé en cours de route, là, sur le live. On a eu une petite hésitation au démarrage, mais c'est bon, on y est. On s'excuse, hein. Et donc pour ceux on n'est pas partenaire Twitch, alors comprenez qu'on n'a pas accès à l'encodage
directement. Donc pour ceux qui regardent le GP en rediffusion, donc avant donc l'épisode numéro 18, c'est-à-dire c'est l'épisode de Phillip Island, donc sachez que il y aura eu ce week-end le Grand Prix d'Autriche en moto d'ailleurs. Il pourrait y avoir de la pluie d'ailleurs à ce Grand Prix. Bah, vu les orages qu'on se paye sur la France en ce moment, ouais, ça va se déplacer vers l'Autriche. Hein. Ouais. Il pourrait y avoir de l'orage. Alors, Angel, maintenant, on va décrypter un petit peu un tour à... Ah bah non, à Motegi, mais c'est trop tard puisque tu vas avoir fini. Mais quand tu vas refaire un tour, Angel, on va décrypter un tour à Motegi. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il faut retenir de ce circuit. Absolument, Jean-Pierre. Pour l'avoir joué une fois en Moto 3, il est technique. Il va sûrement donner d'autres informations sur les réglages de sa machine. Ah, mais c'est bizarre, le tonnerre chez moi, on a l'impression que c'est des coups de canon qui sont en train de passer. Je comprends pas. T'es sûr que c'est pas la guerre chez toi? Ouais, putain, je me pose des questions. J'ai pas entendu la sirène. Nous allons bientôt... Tu sais, le mec tranquille. Bon, alors devant toi, tu as Barry Baltus, le Belge. Et une pour fois. L'instant, t'as pas encore le meilleur temps, mais voilà. Donc là, Angel, le dernier secteur, il est composé de ce magnifique double droit. Alors, par contre, il n'y a pas le nom des virages. C'est quoi cette... Ah oui, t'as peut-être pas commencé un tour. Je vais commencer. J'allais dire, c'est pas moi, voilà. J'ai rien fait. Là, tu vas commencer ton tour. Donc, grande ligne droite. Premier virage, attention, il est technique, Angel, c'est une... Il s'appelle le en virage. Fait, c'est un virage. Ouais. Bon bah tu viens d'annuler ton premier tour, Angel. Voilà, en fait, impeccable. C'est un virage. C'est un virage. De merde. Alors, non, c'est un virage à double point de corde. Puis suis le virage numéro 3. Du coup, t'as le virage 1, virage 2, virage 3 maintenant. Le 4. Tu vas terminer donc... Oh là là, Angel, le premier secteur, c'est la non, chute. Non mais, écoute, je voulais essayer des choses. Je vois que visiblement, ça marche pas bien. Voilà, c'est la chute. Donc, virage numéro 4, attention. Ouais, ah non, attention. Mais... Deux fois. Hein. Angel dans... c'est deux fois de trop. Voilà. Dans la radio, donc, le mec, il va dire, oh, tu peux arrêter d'abîmer la moto, là, ouais. Y a pas de radio. La merde. Alors voilà, donc virage numéro 4, virage numéro 5 ici, nouveau virage en V cette fois-ci, en forme de V le virage. Puis tu salut, arrives Romain. Sur le deuxième secteur, salut Romain. Deuxième secteur avec ce 130R, virage numéro 6, que tu peux passer à fond. Et là, c'est le virage numéro 7, c'est un petit S. En montée, virage 7, virage 8, faut faire attention au changement d'angle. C'est le S-curve que tu viens de passer, attention à Barry Baltus à ta droite. Puis ensuite, tu as le virage numéro 9, c'est le V-corner. Et Angel, tu devines pourquoi on appelle ça un V-corner? Je vois pas du tout, non. Bah parce que c'est en forme de V. Là, tu as hairpin curve. Ça te rappelle pas quelque chose, hairpin curve, Angel? Ça me dit vaguement quelque chose, ouais, mais... Spoonker, bah oui, c'est exemple. C'est un des virages de Suzuka, hairpin, c'est celui où Kobayashi avait doublé à l'intérieur en mode kamikaze. Ah mais oui, tu sais, c'est celui qui a pris les Degner. Bon, ensuite, tu as passé le 90 degrés corner. Et puis, tu passes un dernier S et le virage de Victory Corner pour terminer, et puis tu termines un tour ici à Motegi de 4,8 km. Il est long quand même, hein. Et pourtant, c'est un des kilométrages médians en fait, hein. C'est 4,8 km. Tu trouves long, ah ouais. Toi? Bah, j'avais l'impression. Non, c'est 4,8 km, je te confirme. Bon, après, c'est peut-être le temps que je me familiarise avec le tracé. Voilà. Alors, les points chauds, évidemment, c'est le premier et le deuxième virage, du coup, avec ce double point de corde. La fin du premier secteur avec le virage 4. Si tu te lances bien à la fin du virage 4, parce qu'en fait, tu te
remarqueras que c'est un circuit d'accélération-freinage, en fait, avec des virages parfois techniques. Donc si tu te lances bien dans les lignes droites, si tu te lances bien dans les lignes droites, tu pourrais... Tu peux y aller. 130 R, tu peux y aller à fond, Angel. Hein. Attention à la fin. N'hésite pas, si vraiment t'as pas confiance, à juste relâcher les gaz. Tu vois, t'as 25 millièmes d'avance sur le temps de Denis Foggia. C'est à gauche. Bah en tout cas, bravo à vous, vous êtes déjà 14 sur le live, donc c'est très bien. Continuez à arriver, hein. Et on vient de passer la barre des 1300 followers, enfin on l'a passé avant ce stream, puisque il y a Hydropod qui nous a follow. Alors on sait pas qui c'est, hein, mais on pense que c'est pas notre cher Hydro, mais c'est peut-être un des abonnés à ce cher Hydro qui est passé par chez nous. Qui est fan de Hydro. Je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Bon, Angel, tu vas terminer donc un premier tour lancé en 2.06.099. Angel, tu viens de prendre le meilleur temps. Parce que là, je te rappelle qu'Angel, que les temps que tu fais maintenant sont très importants, puisque tu sais qu'on va déterminer ton passage soit en Q1, soit en Q2. Mmh. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors oui, bah parlons de ce qui s'est passé ce week-end en MotoGP, Angel, puisqu'il y a eu le Grand Prix de Brno en République tchèque. D'accord, attends, juste je t'interromps deux secondes. Donc Vettelspin qui nous dit que les abonnés à Hydro s'appellent les Hydropotes. Ah ouais. Donc visiblement c'est à la mode de mettre des noms à ses abonnés. Alors du coup, moi, faut que j'appelle mes abonnés comment? Les Angels Friends? Non, faut pas... Enfin, t'as pas besoin d'être branché ou à la mode, tu t'en fous. T'en déconnes, tu t'en fous. Donc, tu allais parler du Grand Prix de Brno. C'est ça, en République tchèque. Mais Vettelspin, les anges qui mettent du gel. Ça peut le faire. Je sais pas comment on doit le prendre. Mais on prend quand même. Et tiens. Après, si vous avez des suggestions, allez-y, hein, pour rigoler. Allez voir aussi la chaîne de Gigi20. Parce que le beauf, il est parti, Angel, je crois, en live. J'ai vu une notif passer. Ah, il fait quoi? Warzone? Call of Duty Modern Warfare. Ah, il a repris le jeu d'origine. Ouais, quoi. Sachant qu'il fait une session duo trio, mais sans cam, il fait trop chaud. Ah. Pourtant, c'est pas faute de lui avoir fourni du matos, mais bon. Moi aussi, j'ai chaud, mais enfin, il fait pas si chaud que ça maintenant que. Jokerman, oui, effectivement, les abonnés de Galax, bah, c'est plus simple, ils s'appellent Galax, donc c'est plus facile de nommer ces abonnés les Galaxiens et les Galaxiennes que nous. Je vois pas comment on pourrait vous nommer, mais on vous nomme pas parce qu'on trouve que voilà, ça sert à rien, tout simplement. Bah, si, tiens, ça pourrait être rigolo, on va les appeler les Valentins. Ouais, mais un Valentin, il y en a qu'un unique, c'est moi. Me colle pas sans Valentin, là. Et mercredi. Ah oui, celui-là, t'auras tendance à accélérer un peu trop tôt, Angel. Celui-là, faut que tu fasses attention parce qu'il est bâtard au niveau du point de corde. Il faut. Quitte à ce que tu le freines un peu plus. Ouais, c'est ça, Vettelspin. Les Michel de Jeff Harvick, non merci. On n'en veut pas, nous. J'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi Jeff appelait ses abonnés les Michel. Alors, Jokerman qui propose des Angelos. Non, ça fait un peu trop les bolos, quoi. Angel, t'en penses quoi? Ça fait un peu religieux, quand même, non? Salut, Jorifist. Salut.
Ah, et chute de Darin Binder, le Sud-Africain. Darin Binder qui a terminé 15e du Grand Prix de Cheng hein, dans notre carrière la semaine dernière. Voilà. Et merci à Mickaël49 qui vient de follow la chaîne. Merci à toi, Mickaël. Bienvenue à toi, Mickaël. Alors, oui, je voulais vous raconter ce qui s'est passé à Brno quand même. Oui, on en était là. Parce qu'à Brno, en MotoGP, il y a eu une première. Et une dernière. C'était la... Non, il y a surtout une première, c'est la victoire de Darin Binder sur KTM. En MotoGP, c'est le Sud-Africain, donc je dis Darin, mais c'est Brad, pardon. C'est son frère Brad Binder qui est en MotoGP, donc Brad Binder a remporté le Grand Prix de Brno. Au terme d'une course maîtrisée de bout en bout, on a un Fabio Quartararo qui a un peu baissé de régime hein, sur ce circuit, qui n'a terminé que, je crois, 6e devant Miguel Oliveira, Valentino Rossi et Maverick Vinales. Il garde quand même sa place de leader au classement des pilotes. On notera aussi un très bon Grand Prix de Franco Morbidelli qui termine deuxième, et puis Juan Zarco, le Français, qui avait signé la pole et qui termine troisième avec sa Ducati Avintia. C'est d'ailleurs le meilleur des pilotes Ducati sur ce Grand Prix. Alors Romain Auton, est-ce que Barry Baltus s'est amélioré? Bah écoute, de l'aveu de Randy de Punier qui commentait toutes les sessions de Moto 3, de Moto 2 et de Moto GP ce week-end, donc que ce soit avec Laurent Régal, avec David Dumas et avec Anthony Drevet le dimanche, Baltus a pas été. Oulo! Et il y a un Binder sauvage qui t'était passé devant tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu ça. Donc d'après, enfin, je pense qu'il a pas fait une mauvaise course que ça, Barry Baltus, mais en même temps ce n'était que sa deuxième course, hein. Il faut lui laisser un peu le temps d'arriver en Moto 3. Souvenez-vous, il n'a pas couru au Qatar parce que il était trop jeune pour courir au Qatar. Et son coéquipier Jason Dupasquier a pas fait une mauvaise course aussi. Notamment. Donc faut les surveiller ce week-end au Grand Prix d'Autriche, puisque vous savez qu'il y a un double épreuve en Autriche. Il y a l'Autriche ce week-end et la Styrie le week-end prochain. Comme en F1, d'ailleurs. Il y a une double manche. Voilà. Les KTM seront à domicile au Grand Prix d'Autriche. Donc on peut encore espérer une bonne performance. On espère que les Ducati seront à la hauteur. Donc on espère que Johan pourra confirmer la performance de Brno. Sinon, quoi d'autre? Ben, en Moto 2, je sais plus qui c'est qui a gagné en Moto 2. C'était... Je sais plus qui a gagné en Moto 2. J'ai plus le souvenir. Je me rappelle plus. Qui a gagné. C'est pas Nagashima. Nagashima, il était très loin à l'arrivée. C'est un pilote Red Bull aussi qui a gagné, je crois. Alors, ça peut être soit Jorge Martin, mais c'est pas lui. Je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, et en Moto 3 non plus, je me rappelle plus de qui c'est. Vous voyez, on veut vous parler de Moto GP, mais on sait pas ce qu'on dit. Donc, vous voyez un peu notre crédibilité. Qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus en plus, les courses. Hein. J'ai fait exprès en plus de les regarder, les courses. Et ce week-end, ça va être pareil parce qu'il y a plein. Je sais plus. Au départ, je t'ai dit que le live, il s'est annulé. Du coup, tu t'es dit, j'efface ma mémoire. C'est pas grave, Google va être mon ami. Il est gentil, ce Google. Google, lui, au moins, il est gentil. Il va m'aider. Lui. Il dit, j'aurais si t'as trollé. Moi, je dis ça, je dis rien. Bah bravo Valentin, tu fais mal ton travail de journaliste. Ouais c'est ça, c'est Enea Bastianini qui a gagné. Et en LinkedIn, le vieux cerveau de Val a rouillé.
Ah non, c'est... mais en attends, fait, il a un jeune cerveau, tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai un vieux cerveau. Yep. Nous nous dirigeons vers les stands. Et en bon, MotoGP, bah si. La course de MotoGP a été marquée par un incident entre Paul Espargaro et Juan Zarco. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, au premier virage, Paul Espargaro a tenté de passer Zarco pour le gain de la troisième place. Zarco, en fait, a gardé sa ligne, mais Paul Espargaro a tenté de refermer sur, sur Juan Zarco. Et en fait, s'est fait avoir, il est tombé. Et Paul était pas du tout content. On passe au qualif, Angel. Donc t'as le on premier passe au temps calife, de la ouais. séance. Est-ce que t'as le premier temps au global? Oui. Je pense que oui. Je pense. Bien. Attends, au global, oui aussi. Oui. Donc Q2 direct. Nous sommes de retour. C'est très bien. Donc 33 degrés, Angel. Pour la qualif, tu te poses pas de questions. C'est un double ouais, soft. C'est double soft. Ouais. Voilà. Bon, allez, on y va. Les mécaniciens sortent. T'as même le pilotage auto, il me fout la moto dans les dans les cailloux. Incroyable quand même. Il est bon. Il est bon ce pilotage automatique. Alors oui. En fait, le temps sera incertain à Brno. En Autriche, ce week-end, il se pourrait que il pleuve, mais c'est pas sûr, c'est même pas sûr. Les prévisions sont tellement incertaines qu'on ne sait pas. C'est le problème des orages, ils sont difficilement prévisibles. C'est ça, en fait, t'as tout compris, Angel. Donc, mais j'en étais sûr, je l'ai vu au milieu de la piste, lui, je lui ai dit, je vais me le faire. Ça a pas loupé. Donc en Moto 3, donc c'est Denis Foggia qui a remporté la course de Brno devant Arenas et Ayogura. Attention. Voilà, Antonelli a fini 4 devant McPhee, Fernandez, Alcoba, Arbolino, Fenati et Nepa. Stefano Nepa a fini 10e, hein. Devant Toba, Binder, Vietti, Migno et Denis Onchou sur sa KTM Tech 3 a terminé 15e dans les points. Et donc, tu me demandais, ouais. Romain Auton, si Barry Baltus s'est amélioré. Barry Baltus a terminé 21e sur sa Prostel quand Jason Dupasquier, oh là, quand Jason Dupasquier a terminé. Quand sur sa moto. Qui a terminé sur sa moto et il a terminé surtout 23e. Jason Dupasquier. Salut Darkness Tiger. Salut Darkness Tiger. Et en moto 2. En moto 2. C'est Enea Bastianini donc sur Ital Trans Racing qui a gagné devant Sam Lowes et Joe Roberts, l'américain. Marini a fini 4 devant Fernandez, Bezzecchi, Navarro, Martin, Chiarin et Canet. Tetsuta Nagashima a terminé 11 devant. Alors, Tetsuta Nagashima a terminé 11 devant Vieré, Gardner, Boulega et Schroeter qui a terminé dans les points. Le dernier dans les points. Voilà. Alors, il n'y aura pas de Marc Marquez hein, ce week-end en Autriche. Encore une fois, il n'arrive... Encore une fois, il doit... il reste en convalescence, vous savez, à cause de son numérus droit cassé à Jerez. Tony Arbolino qui vient de tomber. Ah. Et devant toi, t'as Jen McPhee, Angel. Ouais. C'est bien, t'as signé la pole, Angel. T'es reparti pour un deuxième tour? Non, je ramène la moto. Eh, c'est dommage, Angel, t'aurais pu tenter un deuxième tour d'attaque, t'étais en avance de 1 dixième.
Tu penses que tu peux encore améliorer ce chrono? On va voir dans le deuxième secteur où j'en suis. Bon, j'ai 7 dixièmes de retard. Oui, non, mais sur un autre train de pneus. Ouais, je pense, ouais, parce que dans le premier tour, j'ai été gêné. D'accord. Dans le premier secteur. Bah moi, ce que je te conseille, c'est de repartir en... Oh, Atlantis, non, t'as pas le droit. Non, Atlantis, t'as pas le droit. Voilà, donc... Ouais, t'as raison, ramène la moto, Angel, et puis on va regarder... Bon, voilà, je rentre au stand. Allez, tu rentres au stand, Angel. Voilà, donc tu arrives au stand, donc tu as un 2-0-5-9. Normalement, Angel, il est suffisant ce chrono hein, pour la pole, mais moi, je voudrais bien voir si sur un tour rapide, tu es capable d'améliorer. En fait. Parce que j'ai l'impression, Angel, dis-nous, après 17 Grands Prix, est-ce que tu te sens plus à l'aise sur ce jeu? Est-ce que tu prends un peu plus de plaisir qu'au tout départ? Ça, c'est clair. Hein. Salut, Glenn. Massia qui a amélioré... salut, Glenn. Ah, il y a du monde. 2-0-5. Ouais, c'est pas ouf, mais il y a des gens. Tu vois, on était une vingtaine, là, on est redescendu à 15. Bon, voilà. Très bien, mais... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On préfère avoir peu de gens, mais des gens sympas avec qui on peut discuter, on peut vous donner plein d'infos. Nous allons bien que d'avoir 100 personnes avec 50 connards, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, toi t'es comme ça, toi, putain. Moi, j'ai dit quoi? Non, non, rien. Hé, Glenn, tu nous as sub, nous? Je t'avais parlé que tu devais nous sub. Bah, il l'a fait. Il a, sub, il a sub quand on a fait mardi. Non, c'était oui, c'est mardi quand on a fait la F1. Ouais. En tout début de live. on voulait vous dire qu'on vous donne rendez-vous dimanche. Tiens, j'avais une question à vous poser pour ceux qui sont en live. Pour ceux qui verront la rediff avant le Phillip Island, ça vous concerne pas, mais vous pouvez quand même nous le dire si ça vous intéresse. Je voulais vous demander, on voulait vous demander avec Angel, parce qu'on a en fait, on a reçu un commentaire sur le débrief du GP du 70e anniversaire d'un certain Didis Cartmum qui nous a dit, il a écrit comme ça, hein, c'est dingue les gars, chaque fois que je vous écoute, j'ai l'impression d'être sur un groupe anti-Lewis. Ça devient fatigant, c'est à croire que lorsque vous arrivez sur lui, vous perdez toute objectivité. C'est vraiment usant à la fin et c'est vraiment dommage. Et celui qui a la palme, c'est Angel. J'ai déjà fait la remarque auparavant et cela se confirme. Et arrêtez d'essayer de chercher des pseudo-erreurs à Lewis. Hashtag Team LH Forever. Alors, nous, on a envie de vous demander, tous ceux qui étaient là au débrief de dimanche, ou de lundi d'ailleurs, est-ce que vous avez senti, quand on a parlé de Lewis Hamilton, qu'on a fait du Hamilton bashing? Est-ce qu'à un moment donné, on a fait du Hamilton bashing? Parce que peut-être qu'on s'est pas rendu compte, hein, Angel, peut-être qu'on s'est qu'on a la tête dans le guidon et on fait pas gaffe. Ouais. Peut-être qu'on a fait du Hamilton bashing sans s'en rendre compte. Moi, je crois pas. En tout cas, moi, je me vois pas avoir fait du Hamilton bashing à titre personnel. Ah, Homer qui dit non.
La seule chose qu'on a parlé de Lewis Hamilton, c'est quand il est arrivé au stand, on s'est posé la question s'il n'avait pas été en excès de vitesse. Et on en est arrivé à la conclusion que du fait qu'il y avait des radars et que c'était inviolable, qu'il était dans les règles et puis basta. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, voilà, pour moi, on n'a pas fait du bashing. Donc, vous inquiétez pas, ce commentaire-là, on a répondu tous les deux avec Angel. Vous pourrez aller voir ce qu'on a répondu. Et si vous avez envie de rajouter des choses, permettez-vous, on vous permet. N'insultez pas cette personne. L'espace commentaire est là pour ça. Oui. L'espace commentaire est là pour ça. N'insultez pas cette personne, mais discutez avec des arguments. Parce qu'on avait déjà eu ce type de commentaire, c'était sur la rediff du GP du débrief du GP de Silverstone. Et je me demande si ces deux personnes sont pas les mêmes, mais pas sous le même pseudo. Tu vois ce que je veux dire, Angel? On avait déjà eu la même remarque. Mais de toute manière, nous, dans nos débriefs qu'on vous explique, et après je finis là-dessus, et je le rappellerai, et je me permettrai de le rappeler dimanche en début de débrief, mais nous, on fait pas du bashing sur quelqu'un. On essaie d'en parler en toute objectivité. Et quand on a parlé en toute objectivité de la course de Hamilton, on a évidemment été obligé de parler de ce qui s'est passé au stand et de ce gros coup de frein et de ce blocage de roue. Alors, peut-être que quand Angel a dit « Ouais, la FIA, c'est un scandale, ils sanctionnent pas, si ça se trouve, c'est parce que c'est Hamilton. » Bon, voilà, c'est peut-être ça qui a été reproché. Mais on l'a pas dit dans le but de bâcher Hamilton. Ça aurait été Bottas ou quelqu'un d'autre à la place. Vous savez, on n'a pas envie de se réfréner à cause de. Alors, je dis pas que celui qui a écrit est un connard, hein, mais à cause de gens comme ça qui trouvent que parce qu'on a juste, un peu trollé, un peu dit du mal, enfin dit du mal sans dire du mal d'un pilote, ça y est, tout de suite, on est catalogué. Et ça m'étonne pas, ce mec-là, quand j'ai été regarder son profil d'ailleurs. Bien, Angel, tu es en pole position du Twin Ring de Motegi. Ça va être le moment de la course. Mais je finis là-dessus. Quand j'ai été voir le profil YouTube de ce viewer qui a commenté, effectivement, sur son mur, t'as que des vidéos d'Hamilton, t'as que des playlists Hamilton. Voilà. Mais c'est tout à fait, Glenn. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, qui peut bâcher Hamilton pour ce qu'il fait? C'est un super pilote, personne ne peut dire le contraire. Et c'est toujours ce qu'on a dit. Hein. Vous reprenez nos débriefs, c'est toujours ce qu'on a dit. Mais bon, vous savez, il y a toujours des personnes pour isoler les petites phrases qui vont pas et puis pour en faire... Oui, mais ça, c'est toujours normal. Il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit parce qu'ils ont un parti pris pour le pilote et voilà. Et puis nous, on tombe dedans, on répond parce qu'on passe quand même du temps pour vous proposer un débrief construit tous ensemble. Et quand vous voyez des commentaires gratuits comme ça, on peut pas laisser passer. Alors, bienvenue Angel au Twin Ring de Motegi, 17e manche de la saison de Moto 3. Tu es donc en pole devant Andrea Mignot, deuxième. Angel, moi ce que je te conseille, il fait 32 degrés, donc tu pourrais te permettre de faire un double soft, Angel. Un double soft? Ouais. À moins que médium, par sécurité, comme tu veux, Angel, est-ce que tu vas sur une sécurité en mettant un pneu médium derrière? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Voilà. Et effectivement, Romain Auton, tu as raison. La Formule électrique a rendu son verdict ce soir. Il y avait la toute dernière course à Berlin. Et c'est Stoffel Vandoorne qui a signé sa toute première victoire en Formule électrique devant... De Vries et Buemi, donc Vandoorne est vice-champion. Cool. Vandoorne est vice-champion, donc devant Schwergne qui finit troisième finalement. Voilà, donc fin de cette saison de Formule 1. Elle revient en janvier normalement, la Formule électrique à Santiago du Chili. Si tout va bien. Voilà.
Mais je me suis permis quand même de faire ce petit point avant la course. Maintenant, on va pouvoir se concentrer pleinement sur la course. Mais je le redirai au débrief, en tout début de débrief, dimanche soir. On en reparlera. Ouais. Non, Glenn. Il y a eu un début de saison avec en Arabie Saoudite. Il y a eu Marrakech. Il y avait eu, je sais plus quoi d'autre. Il y avait eu Santiago. Il y avait eu 4 grands prix avant. Et là, ils ont fait 6 manches à Berlin pour terminer la saison, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu 10 prix à Paris, il n'y a pas eu 10 prix à Rome, il n'y a pas eu 10 prix à Hong Kong, il n'y a pas eu 10 prix à Monaco non plus. Vous savez qu'une année sur deux, il y avait un 10 prix à Monaco et cette année, il n'a pas eu lieu. Et voilà, donc ça y est, la saison de Formule électrique est finie. Alors sachez que j'étraîne ce soir ma nouvelle manette et effectivement je trouve qu'elle est vachement un peu plus douce et plus sensible que la manette Xbox 360. Ouais. Allez Angel, le départ de ce Grand Prix, je te rappelle que t'es en pole Angel et que si tu gagnes, tu peux accroître ton avance. Peut-être pas gagner le championnat maintenant, mais accroître ton avance. Les feux rouges, c'est parti Angel. Eh, t'as pris un très beau départ Angel. Est-ce que tu auras réussi le all shot au premier virage, c'est-à-dire être en tête au premier virage? Oui, tu as réussi le all shot. Maintenant, il faut garder la position. Et chute! Chute derrière de Jean-Du, parce qu'elle chute aussi de. Je crois que c'est une moto de la VR46. Je me demande si c'est pas Marini qui est tombé. Non, c'est Mignot. C'est Mignot, Angel, qui est tombé. Il était juste derrière toi. Virage numéro 3, tu es repassé en tête devant Alonso Lopez. Luc Go qui dit Angel, je joue à MotoGP 15 et je voudrais avoir ton avis s'il te plaît. Alors ça dépend. C'est quoi ta question Luc Go, dis-nous. Parce que... Après, si tu veux savoir, moi à la base, tu sais que je suis plus F1 qu'autre chose. La MotoGP, enfin l'univers de la moto, je connais que vaguement parce que j'en entends parler parfois dans les repas de famille, parce que j'ai quelques fans de moto autour de moi. Mais jusqu'à ce qu'on me dise « Mais vas-y, fais des motos GP20, il sort bientôt sur ta chaîne, ça peut être sympa » et que je me mette d'abord à tester le jeu avec moto GP19. J'avais jamais touché à la moto avant et je me suis dit « Tiens, ben, et Raum et Macia qui viennent tomber. » Et Barry Valtus aussi. Salut. Ah, ouh, et pop, encore pop, un autre. Pop. Et Alonso Lopez, t'as fait tomber Alonso Lopez. Mais c'est lui qui m'a foncé dedans. Ouais. Je sais. Alors, effectivement, bonsoir Psycho86. N'hésite pas à follow la chaîne si c'est pas encore fait. Et effectivement, Marini est en moto 2. Alors, c'est Mignot qui est tombé tout à l'heure. Putain, mais j'y suis pour rien, moi, les gars. Ils sont tombés. Hein. Ah non, mais je me faire sais le, bien, le... Angel. Non, mais ça fait chier, quand même. Ouais, mais c'est le problème de cette TIA. Elle est mal calibrée. C'est ça, j'horripile. C'est un battle royale, ce truc. En tout cas, merci, vous êtes déjà 17. Vous êtes 17, c'est une très belle moyenne. Et pour reprendre la réponse à Luc Ego, alors donc j'étais pas du tout moto machin, je connaissais rien du tout. Et puis quand je me suis lancé sur moto GP20. Ah, et chute de Denis Sonchou. J'ai commencé à jouer, puis j'ai trouvé ça sympa. Et puis bah apparemment, vous avez été réactif dans la communauté, puisque vous avez. Vous êtes là, vous suivez, vous venez sur les épisodes, que ce soit la F1 ou la moto. Et donc ça m'a encouragé à continuer à perdurer dans la discipline. Après, je vous cache pas que là je commence à m'ennuyer un peu parce que la moto 3 c'est quand même pas le plus excitant. Le problème surtout c'est que les saisons sont longues surtout. Là il y a 20 courses, on joue 20 courses par saison. Donc voilà. 20 courses par saison, dites-vous bien que c'est assez long. Mais t'inquiète pas, Angel, quand on va passer en moto 2, tu vas tout de suite sentir les différences. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais qu'après, pour avoir fait quelques courses avec la moto GP et avec la moto 2, on passe à une dimension totalement différente. Et c'est bien plus nerveux, c'est bien plus animé. Enfin, je veux dire, on s'ennuie pas, quoi. Allez, Angel, c'est ton deuxième tour de course. Tu es en tête. Ryusei Yamanaka était troisième à la fin du premier tour, Angel. Il y a encore un accident, Tony Arbolino qui vient de tomber. Oups, Tony Arbolino, ouais. Donc, Tony Arbolino. Alors, toutes les personnes qui étaient dans les 10 premiers là, au classement pratiquement au général sont en train de chuter dans la course. Ça peut faire jackpot là. Hein.
Alors, ça fera peut-être pas un titre de champion ce soir, Angel. Ouais, mais on peut se couvrir sur beaucoup de monde. Et Angel, dis-moi, est-ce que sur la chaîne, tiens, ça va nous permettre aussi de pouvoir en parler aux viewers, trois questions par rapport au jeu qu'on va faire sur la chaîne. Un, c'est pour quand le live sur le jeu d'avion? T'as une idée à peu près de quand tu souhaiterais faire découvrir que... les avions? Ouais, alors Flight Simulator 2020 sort le 18 août. Donc, la semaine prochaine, il est fort probable que je vous fasse une soirée à la place d'un autre live sur Flight Simulator 2020. Là, je peaufine ma formation de pilote d'avion. Et bon, pour l'instant, je dois dire que c'est quand même assez plaisant. J'ai encore deux, trois petites choses à essayer d'améliorer encore dans tout ce qui est préparatif de vol. Parce qu'en soi, faire décoller un avion et le faire atterrir, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais c'est toute la partie logistique, la préparation du vol qui est longue à faire. Parce qu'il faut faire la feuille de route, il faut préparer l'avion, il y a quand même une certaine préparation à faire en amont qui est longue et qui peut faire fuir tout le monde lors d'un live, par exemple. Parce que si vous attendez à voir un avion décoller... tout de suite dès le début du live, non, il faut attendre au moins une demi-heure le temps que tous les préparatifs soient faits. Et oui, on a été attaqué par Denis Foggia. Belle attaque, mais t'as Sergio bien répondu. Sergio Garcia qui vient de tomber maintenant. Ouais, et Nicolas Antonelli qui est passé sur Yuzi Yamanaka pour le gain de la quatrième place. Tu es dans... Sergio Garcia qui vient de tomber encore. Sergio Garcia est tombé. Une deuxième fois. Ayumu Sasaki avec lui. Et Ayumu Sasaki. Et deuxième question, Angel, est-ce que tu comptes à un moment donné refaire soit de la NASCAR, soit du Project Cars, soit le 2, soit le 3 qui va sortir? Alors, est-ce que c'est dans les cartons? La NASCAR, c'est pas forcément dans les cartons. Pourquoi? Je m'explique. On n'a pas un emploi du temps extensible et vous savez que maintenant qu'en plus on a les débriefs qui ont commencé. Et F1 2020 qui nous compte deux épisodes par semaine avec le My Team et la carrière classique, ça nous fait un plein emploi du temps qui est bien chargé, donc il va falloir sacrifier un soir dans la semaine de live FIFA ou de live MotoGP pour coller un live d'autre chose, puisque on peut pas sacrifier un live de F1 sachant que c'est quand même la marque de fabrique de la chaîne. C'est ce pourquoi vous avez suivi la chaîne au départ et ce pourquoi vous vous mobilisez le plus. Donc ça serait se mettre une balle dans le pied de faire un live de moins de Formule 1 pour un live d'un jeu quelconque que pas forcément vous serez intéressé de regarder. Mais j'ai dans l'idée quand même de sortir, si possible, quelque chose sur Project Cars 3 si je me le procure. Et voilà. D'ailleurs, Angel, en parlant de F1, tu avais fait une première vidéo sur les voitures classiques et Foggia qui te réattaque au même endroit et toi, tu vas lui refaire la même dans le V-corner. Est-ce que tu vas continuer à nous faire découvrir les voitures classiques de Michael Schumacher? Alors, j'aimerais bien. C'est vrai que c'est un truc que j'avais commencé, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Mais bon, en vrai, je me suis pas plus affolé que ça parce que j'ai pas eu beaucoup de retours sur cette vidéo, voire pas du tout d'ailleurs, même pas un commentaire sur la vidéo. Mais c'est pas grave, ça, à la limite, on s'en fiche. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps en journée pour faire des vidéos à outrance. Hein, vous savez que j'ai une famille, j'ai un métier, streamer et faire des vidéos, c'est vraiment un truc qui... Faut juste m'occuper mes soirées et quand j'ai rien d'autre de prévu. C'est vraiment un passe-temps. Donc c'est loin d'être une priorité. Oula, donc effectivement, les voitures classiques, j'avais commencé, je me suis dit on verra si ça intéresse les gens ou pas. Et puis, vu le peu de retours que j'ai eu, je me suis dit bon, ça doit pas être plus que ça.
Donc on verra par la suite. Si en plus on a des défis classiques pendant les saisons de carrière, on fera à ce moment-là des épisodes classiques, mais bon. Voilà. C'est ça. Et quand on je dis ça, je ne mets pas le couteau sous la gorge en lui disant « Allez voir la vidéo et mettez un commentaire, hein, c'est pas ça. Hein. » Vous avez tenté mieux, l'extérieur, Angel, sur Denis Foggia au virage 3, c'est pas passé. Et du coup, tu viens de te faire passer par Foggia et Antonelli sur le podium. Attention à l'extérieur. Ouf, bien recroisé de la part de Foggia. Une nouvelle fois, mais c'est très bien que vous vous battiez tous les deux. Ça veut dire que tu es à peu près aussi rapide que lui, Angel. N'hésite pas, Angel, à bien prendre les points de corde. D'accord? Non, mais j'ai toujours peur de me planter, en fait. Ouais, mais regarde. Quand tu prends pas les points de corde, tu remarqueras que tu te fais souvent passer quand tu prends pas les points de corde. Parce que les pilotes profitent de la porte ouverte à l'intérieur. Voilà. Là, par exemple, c'est très bien sur Airpin Curve. C'est très bien ce que tu as fait. Mais en fait, le fait que tu n'aies pas les freins, que tu aies des freins couplés et pas des freins non couplés, je pense que ça te handicape. Tu n'aurais pas les... Du coup, sur la manette, ça se joue comment, le deuxième frein? Il y a donc le frein arrière, il doit être sur la gâchette de gauche. Non, moi sur ma manette Xbox, ce que j'ai fait, c'est que le freinage va être sur la gâchette RT, le frein avant et le frein arrière, j'ai le bouton B qui me sert de frein arrière. Attends, RT, moi pour moi RT c'est l'accélérateur. Je sais plus. Alors attends. Moi c'est LT le frein. Attends, deux secondes. Ce que je vais me permettre de faire, c'est quoi? Je vais me permettre. Excuse-moi, je me permets juste de, justement, de me mettre en situation courte. Je vais te dire, moi, comment je fais. Ok. Oui, effectivement, t'as raison. Le frein, moi, mon frein avant, c'est LT. Et donc c'est le frein avant que t'as sur la gâchette. C'est le frein ça, arrière, et il est sur quoi? Et moi le frein arrière, je l'ai mis sur le bouton B en fait de la manette. Ok. Or le problème c'est que tu peux pas régler la sensibilité du, enfin. Ah oui, c'est on off quoi. Ouais, c'est-à-dire quand t'appuies ça freine et quand t'appuies pas ça freine pas. Parce qu'en fait ce que tu fais, c'est que tu démarres toujours par freiner du frein arrière, et du frein avant, et pour faire pivoter la moto, t'hésites pas à mettre un coup de frein arrière pour faire pivoter la moto. Sans bloquer les freins, parce que sinon tu risques de tomber. Voilà. Excuse-moi, voilà. Non, c'est juste que je l'ai fait pour... Ah, Homer, non. Homer, il dit, tu prépares le 11 septembre. Non, ça c'est interdit, ça. Ça c'est interdit, ça, Homer. Non, mais voilà. Je me forme sur X-Plane, effectivement, pour mieux appréhender Flight Simulator 2020 qui arrive donc le 18 août. C'est ça. Qui inclut d'ailleurs, si vous voulez le tester, et si vous prenez le Xbox Game Pass sur PC, il est inclus dans le Xbox Game Pass PC. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs. C'est vrai. Bon, Angel, tu vas aborder ton 7e tour du Grand Prix de Motegi au Japon. Et tu es toujours en tête. Hein, devant Foggia et Antonelli, c'est ça? C'est Vietti qui est tombé. Chut! Le pauvre, il porte le numéro 13 en plus. Donc, pas de chance. Et Kirui Dampawi qui se bat bien avec Rodrigo, mais c'est pour la 16e place. John McPhee qui passe Suzuki pour la 4e place. Tu as 5 dixièmes de retard sur Foggia. XMJ50, je fais plus de live F1 2020, bien sûr que si. Bien sûr que si. On en fait toujours. Il y a un planning sur notre Discord et les live F1, c'est le mercredi
Et le vendredi, quand il n'y a pas de débrief de la saison IRL de Formule 1. Sinon, c'est le dimanche. Quand il n'y a pas de débrief, c'est le dimanche. Et quand il y a un débrief, c'est le vendredi. Donc le mercredi, le My Team, et le vendredi, la carrière classique. C'est ça. Le vendredi ou le dimanche, la carrière classique, s'il n'y a pas de débrief. S'il y a un débrief, c'est le vendredi. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, quand Tangel vous dit que c'est compliqué pour lui après de faire des lives, c'est pas qu'il veut pas en faire. C'est que... C'est qu'en fait, j'en fais presque tous les soirs et que bah, tous ces soirs que je passe sur l'ordinateur, c'est au détriment de soirs passés en famille. Merci à Brisco772 qui vient de suivre, qui vient de follow la chaîne. Bienvenue à toi, Brisco. BRISCO772, nous follow. Mais XMJ, tu peux rester ici pour regarder la MotoGP si ça te branche. On t'oblige pas à rester si ça te branche pas la moto. Voilà, tu as bien fait de follow, merci XMJ50. Et oui. Voilà. Et tu es XXXMJ50, tu es notre 1302e follower. Pas mal, hein. Passer la barre des 1300 maintenant, ça fait plaisir, merci à tous. J'ai hâte de continuer à prendre des followers et puis d'arriver au cap déjà des 1500. Sachez, pour ceux qui veulent nous connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur la chaîne, merci Loïc0704 pour le follow. Ouais, merci à toi. Notre 1303e follow. Et pour ceux qui voudront savoir un peu plus sur notre chaîne, sur ta chaîne, Angel, je dis sur notre chaîne, mais c'est sur ta chaîne. Sachez qu'il y a une FAQ qui est sortie sur YouTube. Vous pouvez la retrouver en rediffusion. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la chaîne, vous nous avez posé des questions, on a répondu à vos questions sur la chaîne, sur une FAQ de 45 minutes à peu près. Vous nous avez posé plein de questions sur notre passion de la F1, sur plein de petites choses sympatoches. Donc si vous voulez... Attention, Angel, dans... Non. Ah ouais, pénalité. Ouais, mais c'est normal, j'ai hésité. J'ai hésité, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me le prendre ou de le faire tomber et du coup, j'ai fait de la merde. Allez, Angel, allez. Il glisse. Oh, regarde. Eh oui, il a peut-être pris un pneu soft, Angel, à l'arrière, donc il a peut-être du mal, là. Allez, hein, faut y aller. Et tu vois un pneu soft à l'avant, Angel, on était un peu limite aussi. Hein. Il chauffe, ce pneu soft à l'avant. Non. T'aurais dû freiner un tout petit peu plus tôt, Angel. N'hésite pas à freiner un tout petit peu plus tôt. Parce que souvent, t'arrives en survitesse au point de corps, ce qui fait que t'es obligé de refreiner quand l'IA, elle refreine plus, elle a déjà freiné. Allez, il va rester deux tours, Angel, et il faudrait que tu dépasses. Notre ami Foggia. Et Celestino Vietti qui vient de tomber. Stefano Lepa aussi. Ah bah, et Vietti, ça fait la deuxième fois qu'il tombe. Kaito Toba est passé devant Albert Arenas. Angel, moi je serai toi, Angel, t'as deux possibilités. Toi, tu assures la deuxième place. Denis Foggia, t'as eu très chaud, très très chaud. Soit tu assures la deuxième place, Angel, et tu prends 20 points, et pour le championnat, ça va être plutôt une bonne opération, parce que vu tout ce... Attention à Foggia, là, Foggia me fait peur, Angel. Il peut tomber à n'importe quel moment, Foggia, hein. une chute, hein. Les IA font un peu plus d'erreurs que sur l'opus précédent, apparemment. N'hésite pas dans les lignes droites, Angel. Ah non, tu peux pas te mettre en deux dans les lignes droites, t'as plus beaucoup d'essence. Ouais, j'ai pas mal tapé dedans. Bah pourtant, t'as été en mélange 1 une bonne partie de la course. Il faudrait que t'hésites à ne pas hésiter à en mettre un tout petit peu plus de l'essence. Moi, j'ai toujours cette habitude sur MotoGP 20 de mettre 2 tours de plus d'essence. En fait, dans le réservoir. Elle est un peu plus lourde, la moto, mais ça me permet d'attaquer tout au long du Grand Prix. Allez, 9 dixièmes d'écart, Angel, à un tour de l'arrivée. Encore, il te restera un tour après celui-là.
Hop. Superbe Angel le dépassement. Allez, il faut rester devant. Oh, allez Angel. Alors, Victory Corner, t'es bien passé. Allez, il reste un tour, Angel. Il reste un tour. Il faut résister. Dernier tour en course. Angel, si dans cette situation, tu arrives comme ça à l'arrivée, tu seras en tête. T'avais 4 dixièmes d'avance sur Denis Foggia. Si tu gardes ces 4 dixièmes, Angel, c'est tout bon. Antonelli est ton troisième. Devant John McPhee, quatrième. Eh, c'est bien Angel, t'as 1 seconde 2 d'avance sur Denis Foggia. Allez mon Angel. Et donc je vous rappelle, pour ceux qui regardent en live, donc demain il n'y a pas de live, c'est samedi notre prochain live sur F1 2020, donc Grand Prix de Bakou, donc en carrière solo. Ouais, d'accord, du coup MJ50, voilà, comme on disait, hein, normalement il y a des briefs dimanche soir, mais on aurait dû jouer le GP de Bakou. Donc vendredi, demain soir, mais comme je ne suis pas dispo, je le reporte à samedi. Comme ça, vous avez vos 2 épisodes. Voilà, et pour ceux qui regardent la rediffusion avant de regarder le live suivant de MotoGP 20, donc le live suivant, donc dans quelques instants, ce sera Phillip Island, donc 18e manche de la saison. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et puis n'oubliez pas que pour ceux qui nous regardent en direct, donc dimanche, débrief GP d'Espagne. Pour ceux qui nous regardent en rediffusion, vous pouvez retrouver tous nos débriefs F1 sur YouTube notamment. Et sur Twitch jusqu'à 2 mois après leur diffusion. Angel, j'ai pas vu l'écart dans le troisième secteur. Il y avait combien? 1 seconde 3. Bon, ça devrait être bon. Tu vas passer la ligne en vainqueur malgré la pénalité. Angel, c'est une victoire. Il est battu. Angel, si jamais tu as plus de 75 points d'avance sur le deuxième, tu es champion. Donc, tu as gagné Angel devant Denis Foggia et Nicolas Antonelli. John McPhee finit 4 devant Toba 5e. Fernandez finit 6 devant Arenas, Binder et Penati. Putain, c'est bon ça. Bon, enfin, la petite photo qui vient là, le départ, mais laisse tomber. Mais le départ. Ouais, parce que tu sais quoi, Angel, t'es parti sur la lampe. C'est-à-dire que. Attends, t'as vu ce que j'ai vu? Oh, popo. Alors, oh. Oh, oui, attends, j'ai vu la chute. C'est qui est tombé comme ça? Tu sais que tu peux changer les caméras, Angel, pour voir qui est tombé? Comment on fait? Bah non, change de pilote. Donc avec le pad qui est à gauche en dessous de la gâchette gauche. Voilà, Mignot, là t'es sur Mignot. C'est lui qui est... Non, c'est pas lui qui est tombé. Parce que justement, il t'a attaqué. Ça c'est Mignot. Là t'as changé de caméra, t'es en vue première personne, Angel. Faudrait que tu changes encore. Voilà, reste comme ça. Là t'as toi-même. Tu as... Alors, c'est qui est tombé? T'as Andrea Mignot. Oh, alors ça doit être une Prostel. C'est Barry Baltus. Non, Barry Baltus, il est sur... C'est Baltus? Je vois pas le numéro de la moto. Ah ouais, alors là, ouais, c'est... C'est Andrea Mignot qui est tombé. Ouais, c'est toi qui as fait tomber Andrea Mignot, en fait, en revenant sur la trage. Et la moto qui revient en plein milieu de la piste. Ça, c'est le... C'est le pire, ça. Bon, bien sûr, la moto qui va faire triple saut périlleux à l'arrière, triple loot, se piquer, hein, mais tout va bien. Bon, la moto va être un peu abîmée. Ouais, effectivement, Rome 102 qui dit que c'est bien de Barry Baltus qui est tombé.
je suis très contente, Angel, parce que c'est une piste que tu découvrais et je trouve que tu t'en es bien sorti. Ton ressenti j'ai... sur le tuning. Bah, j'ai pas été trop dégueulasse au niveau du pilotage, c'était cool. Après, c'est toujours pareil, ça me gêne toujours un petit peu, c'est. Ces motos qui, quand elles te font l'intérieur, qu'elles arrivent sous la moto et bah, elles tombent, mais bah, tu les fais pas volontairement tomber, les gars, donc c'est ça qui est con. C'est vrai. Mais voilà. En tout cas, vous êtes 21. Merci beaucoup d'être là. Donc, vous avez. Donc, tiens, pour ceux qui sont sur la rediffusion qu'on diffuse avant Phillip Island, donc là, vous voyez, on fait les ralentis. On va essayer de se trouver une vignette en fait pour. Pour illustrer pour la rediff YouTube en fait que vous allez retrouver je pense Angel je pense que dès demain elle sera disponible hein, avec la rediff de F1 ouais ou samedi je la mettrai pour pas mettre 50 vidéos par jour parce que bon après ça sert pas à grand chose de mettre 50 vidéos par jour bien sûr ouais en tout cas donc pour les rediffs vous avez plusieurs solutions soit vous pouvez les regarder sur YouTube vous avez des playlists pour chaque série qu'on fait. Vous avez une playlist MotoGP20 où vous retrouvez toutes nos rediffs, comme les débriefs, comme F1 2020, voilà. Soit vous pouvez les regarder directement sur Twitch en rediffusion comme ça. Loïc, dans pas très longtemps là. Dans pas très longtemps, on va. À moins, Angel, que tu veuilles nous faire quelques tours de Moto2 en Autriche. On peut essayer éventuellement de faire ça. C'est comme tu veux, parce que comme je sais qu'après toi, tu veux monter ta vidéo de F1 2020 avec le commentary, faut pas non plus que ça te fasse... Bah, c'est vrai que c'est ça, c'est que j'ai du boulot, effectivement. Donc du coup... Bon. Donc dans pas très longtemps, dans peut-être 5-10 minutes, Loïc, le temps juste qu'on règle, qu'on vous donne les classements, le classement pilote, le classement constructeur, si tu veux, Angel, je veux bien les faire, les classements, si ça t'intéresse. Ouais. Hein. Tu me dis, et je l'ai fait, et puis on va regarder les propositions de contrat qu'on a. Qu'en penses-tu? Bah oui, allez, on va faire ça. Allez, hop, petite donc, vignette, hop. Résultat donc de la course, avec donc ta victoire, Angel, malgré la pénalité de 3 dixièmes et demi qu'on t'a infligée devant Denis Foggia. Le pilote de la Léopard et Nicolò Antonelli, le pilote de la 658, qui complète ce podium. John McPhee termine 4e devant Keito Toba et Raúl Fernández, qui termine 5e et 6e, les deux pilotes Red Bull KTM. Albert Arenas termine 7e devant le Sud-Africain Binder, après sa 15e place de Chung, qui se rattrape bien devant Fenati sur sa Husqvarna. Ayogura termine 10e devant Kofler et Alonso Lopez. Gabriel Rodrigo termine 13e devant Ryusei Yamanaka. Dommage parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé 3e sur le podium, mais il a lâché. Denis Onchou sur sa KTM Tech 3 termine 15e devant Jérémy Alcoba et Ricardo Rossi 17e. Papaoui termine 18e devant Tataki 19e. Yuki Kuni 20e devant Carlos Tatai qui signe le meilleur tour en course d'ailleurs, 2-0-4-931. Jason Dubasquet 22e et puis derrière tout le monde a abandonné. Donc Vietti, Nepa, Suzuki a abandonné, Garcia, Arbolino a abandonné, Salach, Baltus, du coup après sa chute au premier virage, Mazia et Davide Pizzoli, ainsi que Andrea Mignot. Alors, le classement des pilotes, Angel. Je rappelle que tous ceux qui sont à plus de 75 points ne peuvent plus être champions. Donc, il n'y a que toi, Antonelli et Mazia qui peuvent être champions. Ouais, Denis Foggia, Suzuki, Fenati et Lopez sont hors d'atteinte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si ça se passe bien, Angel, Phillip Island, je dis bien, pourrait être la course du titre. Mais il faudrait vraiment qu'Antonelli se rate pour que tu puisses être titré. Alors, soit ça se fera à Phillip Island, donc au live suivant, soit ça se fera en Malaisie au live juste après. Donc, ouais. Et mince, on n'a pas pu développer le classement des pilotes, mais c'est pas grave. Les écuries, la 658 est toujours en tête devant la Leopard Racing pour 9 points, devant la Sterling Garda Max Racing Team 3ème. La Spar est 4ème, était pas très loin, Angel. Hein. Vous avez 32 points de retard à 3 courses de l'arrivée, ça peut se remonter. La Sky Racing Team est 5ème devant la Rivacol de Sniper Team. La Red Bull KTM est 7ème
Devant Petronas Sprinta Racing qui remonte à la 8ème place, l'Estrella perd une position 9ème devant la Honda Team Mazda et la Comerling Resini Moto 3. La CP Green Power prend 2 positions quand la Car Expert Prostel GP perd une position tout comme Adintia. Red Bull KTM Tech 3 a marqué son 4ème point grâce à Denis Onchou. Et la Bouescule Rider Facile Energy a toujours 0 point après 17 Grand Prix. Si on peut refaire Angel peut-être le classement des pilotes parce que voilà, on a le parc fermé. Ouais, si tu veux. Ouais, je l'ai fait rapidement mais je regardais surtout ceux qui étaient encore possiblement. Alors Loïc, bah, tu nous retrouveras donc samedi à partir de 21h30 pour de la F1. Cette fois-ci, ça sera le Grand Prix de Bakou dans le cadre de la carrière classique. Donc si tu veux nous revoir, tu viens samedi. Voilà. Demain soir, vous aurez une rediff. Et vous aurez la rediff du live que j'ai fait hier après-midi sur Fall Guys. Sur Fall Guys. Alors, on la met à quelle heure, Angel, la rediff? À 20h. 20h, donc à 20h, rendez-vous demain. Donc, réputation, Angel, t'as repris 5150 points de réputation. Tu vas donc monter à 69600 points. Et tu vas prendre du crédit aussi. Ça te fait 14 000 crédits. Donc, tu as validé tout ça, mais en fait, ça ne te sert plus à rien les points puisque c'est fini. De toute manière, tu n'as plus rien à développer. Alors, on refait, Angel, peut-être le classement juste des pilotes en Moto 3. Juste yes. Pour le. Alors, voilà. Je suis leader devant Nicolo Antonelli. Raume Macia est 3ème avec 48 points de retard. Denis Foggia est 4ème. Tatsuki Suzuki est 5ème. Romano Fenati est 6ème. Devant Alonso Lopez, 7ème. Andrea Migno, 8ème. Celestino Vietti, 9ème. Devant Raul Fernandez, qui est monté d'une place. Ainsi que John McPhee. C'est Tony Arbolino qui a perdu gros dans la bataille. Il a perdu 2 places. Il est descendu 12ème. Devant Philippe Salach, Sergio Garcia est 14ème. Devant Keito Toba qui est monté d'une place sur Ayo Gura. Albert Arenas est 17ème. Devant Gabriel Rodrigo, Jérémy Alcoba est 19ème. Ryusei Yamanaka est 20ème. Devant Yuki Kuni, Kawil Dampawi est 22ème. Darin Binder est remonté à la 23ème place. Il a pris pas moins de 5 places au classement avec son résultat sur ce Grand Prix. Stefano Nepa a perdu une place. Il est 24ème. Devant Maximilian Kofler qui lui aussi est monté de 2 places. C'est Barry Baltus aussi qui a perdu dans la bataille. Il a perdu 2 places au classement. Il est descendu à la 26ème place. Idem pour Carlos Tatei qui est descendu à la 27ème place. Ainsi que Denis Onchou à la 28ème. Ryumu Sasaki est 29ème. Ricardo Rossi a pris 2 places au classement. Il est 30ème devant Davide Pizzoli qui a perdu une place. Et Jason Dupasquier aussi qui a perdu une place, qui est bon dernier. Angel, on regarde les classements peut-être en Moto 2 et en Moto GP. Regardons qui sont les meilleurs en Moto 2 et en Moto GP, juste pour notre gouverne. Hein. On regarde le premier. Donc là c'est la Liquimoli donc de Marcel Schroeter. Pour regarder le championnat d'équipe parce que ça nous permet. Vous allez voir à peu près les forces en présence. Appuie sur Y. Et donc vous voyez, c'est la Liquimoli qui est la meilleure écurie devant l'Ital Trans, la Flexbox. T'as la marque VTS, elle est 6ème. La Aspar est juste derrière. La Onyxox que tu voulais en écurie aussi, avec laquelle tu as fait, je crois, une proposition. Ouais, mais qui n'a pas débouché, 4ème, ouais. Et la Sky est 9ème. Et la Petronas est encore derrière. Mm. Voilà. Donc. La Petronas, elle est 10ème. 10ème, juste derrière, mais avec juste 2 points d'avance sur la Red Bull KTM Mayo. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'était juste pour qu'on vous montre à peu près les forces en présence. Bon. Les agents, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a reçu des propositions. La Onyxox et la Aspar. Alors, la Aspar en Moto 2 et la Onyxox en Moto 3. En Moto 2 aussi, la Onyxox. Hein. Ah, en Moto 2, pardon. Ouais. Moto 2, Moto 2. Bon, donc, vous voyez, on a 3 propositions. Angel, est-ce qu'on peut regarder? Fais retour, s'il te plaît. On va regarder dans la recherche de contrat. Est-ce que on a d'autres écuries qui seraient intéressées? Non. La Sky n'est toujours pas intéressée. La marque VDS n'est pas intéressée. La Liquimoli non plus. Ouais. Bon. Ouais, ça fait chier la marque VDS. J'aurais bien aimé quand même. Putain. Non, mais attends, Angel, tes propositions, elles expirent dans combien? La Petronas, je crois que c'est dans 4 semaines, donc
Moi, je pense que... Je sais, on vous dit qu'on repousse à chaque fois, mais faut qu'on ait vraiment toutes les cartes en main. La One XOX finit dans... la proposition 14 semaines et la Aspar 14 semaines. Et la Petronas et 7 semaines dans 7 semaines. Voilà, c'est ça. Donc semaine 50 pour la... Ouais, moi je pense, Angel, qu'il faut vraiment qu'on attende Valence. Valence, c'est vraiment là où on va décider. C'est moi, ça. Voilà ce que je te propose, Angel. On passe Phillip Island, on passe la Malaisie, et après le Grand Prix de Valence, on prend le temps de décider pour quelle écurie on va conduire. Alors, tu vas en Moto 2, tu vas conduire la marque VTS, tu vas la conduire en Autriche, puisque c'est le prochain Grand Prix d'ailleurs, au Red Bull Ring. À moins putain, que tu aies la con. Ah non, mais je suis là. Non, tu peux peut-être conduire en Australie, hein, si tu voulais. Non, non, mais c'est bon. Tu aurais pu la conduire bon. En Australie pour découvrir ton prochain Grand Prix. Nous, on fait que la course, Angel. Hein. Tu mets course uniquement, on fait pas la qualif. C'est un petit bonus qu'on vous fait, hein, comme il est tôt. Tout le monde s'est barré. Et du c'est coup. Pas... Bonjour et bienvenue au circuit. Non, restez avec nous, un replay. Revenez, les gars, faites pas les cons, putain. Alors, la météo, elle disait quoi? J'ai pas regardé. Oh merde. Nous sommes avec vous depuis la grille de départ. Du début de la course. Merde. Reviens. Repars dans le contrôle de consommation. Sélectionne ton pneu. Ah oui, 40 circuit degrés. 40. On met de la gomme moyenne à l'avant comme à l'arrière, Angel, à 40 degrés. Yeah. Tu mets 6 tours de carburant pour 6 tours, c'est très bien. Allez, Angel, c'est parti. Go. Départ. Les pilotes viennent de terminer. Allez, Angel. Donc tu es sur une marque VDS, tu es dernier sur la grille, le but du jeu c'est de faire la meilleure position possible. Tu es prêt? C'est parti! Bon, Angel, t'as raison, t'as pris le départ derrière la meute. Attention, c'est très sensible les freins. T'as vu, c'est beaucoup plus sensible qu'en moto 3. Hein. Ouais, et puis ça fait un meilleur bruit. Et attention, t'auras beaucoup de glisse sur les pneus, Angel. Hein. Surtout les arrières. Faudra faire gaffe parce que sur certains circuits, quand il fera 40 degrés, faudra pas mettre... Oh, chut, y'a Fischerine qui est tombé. Ouais, y'a Joe Roberts aussi, y'a Enea Bastianini qui est tombé. Oh là 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 là. Attention, tu as Xavi viré peut-être, ou Jake Dixon qui revient... Non, c'était Jake Dixon. Oh là 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 là, Angel, tu viens d'envoyer Andy Faridis Diarant. Oh. J'ai très très mal négocié mon truc. Ah, celui-là, c'est le pire en Moto 2. Et comme en Moto GP d'ailleurs. Hein. Tu sais, c'est un peu comme en F1, on a tendance à partir vers l'extérieur. Beau Ben Schneider qui vient de te repasser. D'ailleurs, Angel, ça va te permettre d'apprendre des noms là. C'est nerveux, bordel. Waouh. La guerre. T'as vu, c'est chaud, hein. C'est Beau Ben Schneider encore. Allez, Schroeter demande à la porte à Canet, Nagashima, Marini, Didier, Antonio, Martin, Fernandez, Baltasari et Stefano Manzi. Mais non. Elle est belle, la catégorie Moto 2. Hein. Xavi Vieré que tu viens de pousser. Thomas Lutti qui est tombé. Oups.
Jesco Raffin est tombé également. Chute de Jesco Raffin. Allez, tu vas passer de Garpon, Sam Loz, Baldassari, Fernandez. Putain, sans déconner. Oh non! Sam Loz est tombé! Oh le pauvre! Angel est en piste, les pilotes tombent comme des feuilles en automne. Comme des feuilles en automne, monotone. Allez, Baldassari maintenant devant toi, Angel, t'as Fernandez. Tu as Augusto Fernandez qui d'ailleurs pourrait être ton coéquipier si tu signes à la marque VDS. Si on te fait une proposition, bien sûr, c'est toujours pareil. Atlantis qui dit... Là, Angel se dit, je crois que je vais rester en moto 3. Je vais peut-être rester avec ma mobilette. Je suis pas encore prêt. Allez, Baldassari, Fernandez devant toi. Attention, Angel, en moto 2, on aura un tout petit peu plus de tours à faire, par contre. Hein. Ouais, ouais. Oh, pop, 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 Manzi, Bouléga, Betsik. Oh, la, 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 la. Angel. J'adore te voir faire des freinages kamikazes. J'ai l'impression... C'est la F1, ça. Bezeki, Marini, Leves, Canette. Tu veux une canette, Angel? Ça va, j'ai ma bouteille. Bah, elle est devant. Hey, la canette, c'est pas Martini, hein, c'est Marini. Oh putain, Bezeki. T'as vu comment elle lève la roue arrière? Ouais. Donc en moto 2, c'est la spécificité, c'est les freinages. Parce que t'as plus de puissance, donc t'as forcément plus de puissance de freinage, donc ça se lève. Mais sans déconner. En fait, c'est à la réaccélération, Angel, tu t'es fait un... Ta moto a raccroché à l'accélération. Ça peut t'arriver. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai dû prendre en main la moto 2. Donc, t'inquiète pas si, par exemple, au Qatar, t'as besoin de... Angel en piste, sauvez-nous. Et c'est ça, en fait. Je suis un pilote de moto 2. Sortez-moi de là. Sortez-le de là, ouais. Putain, mais j'étais lui le drapeau noir, quoi. Disqualifiez-le, merde. La direction de course qui nous écrit. Ah, on vous a pas dit, le but du jeu c'était de démolir les autres. Pas mal pour votre épisode de démonstration. On sait qu'on va pas vous prendre en moto 2 finalement. En fait, on retire toutes les propositions de contrat en moto 2. On a 15 pilotes hospitalisés. Putain, mais ça, faut vraiment freiner tôt. Hein. Oh la vache. Bah, je te rappelle que t'as 760 chevaux, hein. Ah, ça, c'est pas ma faute. J'y peux rien. Ouais, Boben Schneider, t'as Tetsu Kanagashima, Marco Bezzecchi. Et devant toi, t'as les deux premiers, Angel. T'as... Oh là 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 là, oh, la roue arrière, elle a levé. Ouh! Comment t'as remonté le vibreur, Angel? Atlantis, y a-t-il un pilote sur la moto? Ouais, ouais, y a un pilote, ouais. A priori, y a un pilote sur... Oh là là, oh là là. Et après, la mobilette, le moustique. Et je vous raconte pas ce que ce sera le en temps. Moto GP. Oh là là. C'est un temps à ce niveau-là, c'est même plus un moustique.
Nagashima à la porta peut-être, non? Est-ce qu'on va arriver à faire un tour propre? Romain Auton qui dit j'imagine Angel quand il dépasse, il leur fait un petit coucou, il leur fait un petit coucou, tu vas tomber toi. Regarde ma moto, je suis là. Ton pire cauchemar est à côté de toi. Bisous bisous. Oh nom de Dieu. Allez Angel, il va rester un tour. On vous remercie en tout cas. D'avoir été aussi nombreux, on a eu une pointe à 23 viewers. Puis un. Je peux faire un tour propre. C'est ça. Bah maintenant que t'es en tête et que ta piste te libre. Romanton qui dit le nouveau film d'horreur, j'ai le nom Angel et la moto 2. Ah ouais. Alors pour ceux qui nous ont regardé en direct, si vous avez envie de nous re-regarder en rediffusion, donc jeudi prochain, donc on sera le. On était combien aujourd'hui? Le 13, donc jeudi 20 à 19h30. D'accord, 19h30. Donc 19h30, puisque le live faisant 1h30. Donc 19h30. Et puis pour ceux qui regardent la rediffusion, bien juste après cette rediffusion, vous allez avoir le 18e épisode de la carrière à Phillip Island, en Australie. Bravo Angel pour la victoire. Et Romain Auton qui dit le nouveau film d'horreur, j'ai le nom Angel et la moto 2. Eh oui. Non, j'ai aucun mérite là. J'ai fait des replays à Turlarigo. Non, mais c'est pas ouf. Hein. C'est un grand prix. Un grand prix pour rigoler. Voilà, bah écoutez, on va arrêter le live sur ces belles images. J'espère que vous avez passé une bonne soirée à notre compagnie. On se retrouve donc samedi soir pour de la F1, le Grand Prix de Bakou, dans le cadre de ma carrière classique chez AlphaTauri. Merci Valentin, merci à tous, et puis bonne fin de soirée et à samedi. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, et dans un instant, n'oubliez pas le Phillip Island, 18e épisode.